Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je suis avec mon petit Limo. Salut. Et aujourd'hui, le sujet c'est ça. Alors, pour commencer, on a ça. Cool. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du fromage en grain. Je sais pas si on le voit bien. Du fromage en grain, spécialité du Québec, qu'on appelle aussi fromage en crotte. J'aime un petit peu moins l'expression, mais c'est personnel. Alors on va l'ouvrir, là on l'ouvre, c'est ça, c'est en plastique. On en trouve dans tous les supermarchés, hein, ils ont des petits étals où on en trouve. C'est vraiment traditionnel d'ici. C'est relativement bon, hein, c'est bon, hein. C'est squishy, un peu, quand on mange, ça fait squishy dans le sens, tu manges, ça fait tuit, 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 tuit. Ça se mange frais, ordinairement. Tiens, j'en veux un bout. Ça se mange frais. Après, c'est bon, hein, après... C'est ça, ça fait tuit, tuit, tuit. Après quelques jours, il faut le mettre au frigo, mais là, ça devient un petit peu moins bon, parce qu'on dirait qu'il durcit un petit peu plus. Mais frais, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Quand on vient au Québec... C'est vraiment bon. Avant encore un bout. Quand on vient au Québec, faut vraiment, vraiment essayer ça. C'est le même fromage qu'ils mettent sur les poutines. Écrite avec la sauce brune. Et sauce brune, c'est ça, hein, sauce brune. Et le fromage sur les frites, la sauce brune au-dessus, ça fait fondre le fromage. C'est un peu bizarre quand on le voit, mais c'est super bon. Fromage en grain. Encore un? C'est trop gros, ça. Un petit bout. Et voilà. On a l'anglais. Et on continue après avec ça. C'est du fromage au cas. C'est écrit dessus. C'est un des plus vieux fromages qui existe ici au Québec, qui avait été fait en fait par des moines qui venaient de la ville d'Oka, comme on dit. À partir de, si on voit ici, on peut l'ouvrir comme ça, c'est écrit ici, hein, carrément 1893, depuis 1893, donc on voit vraiment que c'est vieux. Quand on l'ouvre, ici c'est indiqué Agropur, je ne sais pas si on le voit comme il faut, Agropur c'est une société importante ici au Québec sur le lait, hein, c'est ça, sur la production laitière basiquement. Donc eux, ils ont racheté ça, les recettes d'Oka des moines, qui avait un autre goût, on va dire, qu'à l'heure actuelle, a priori, et c'est une grosse compagnie, du coup, c'est ça, il y a de la fermentation qui est pas la même, le lait est pasteurisé, c'est ça, le lait est pasteurisé, ce qui n'était pas à l'époque, du coup, les gens qui sont vraiment fans de ce fromage-là disent, ouais, mais c'est pas le même fromage qu'il y avait à l'époque, etc., etc. Bref. Et, bon, on va l'ouvrir. Et c'est ça, tu m'avais parlé de la ville d'Oka, il y avait des Algonquins, c'est ça, hein, des Amérindiens, des Algonquins. Voilà, ils pêchaient un poisson spécifique là-bas. Il sent vraiment fort. Ça ressemble un peu, en fait, c'est leur version du porc salé. C'est ça, exactement. Version du porc. Ah, c'est collant aux doigts aussi. En tout cas, on va voir ça après. Il y a une autre chose aussi que je viens de voir. À l'intérieur, je ne sais pas si on le voit, ils donnent comme des petites astuces. Si on veut voir, je ne sais pas moi, faire du fromage de telle manière. Là, ils mettent par exemple pour votre omelette préférée. Alors là, tu peux le couper d'une certaine manière. Exceptionnel. Là, on va le couper. J'ai du fromage. Très collant aux doigts. Et que d'après moi, tes doigts, ils sentent les pieds. Après, parce que c'est vraiment intense. Wow. Là, paraît-il, c'est ça, si je me trompe pas, c'était censé avoir un goût de noisette à la base. On va goûter un petit bout. Est-ce que tu veux goûter un petit bout? Mais viens ici, patate. Viens ici. Oh oui, c'est vraiment bon. C'est collant. Ça sent très fort, je le répète encore une fois. Un petit goût de noisette, un petit peu. Mais moi, je pense que c'est vraiment à essayer, hein, quand on vient ici. Et voilà, c'est un des plus vieux fromages du Québec. On continue avec ça. Yes! Ça, c'est du cheese whiz. Les enfants, ils aiment ça. Le cheese whiz, c'est du fromage à tartiner
C'est quand même, on va l'ouvrir, voilà. C'est quand même assez chimique. Dans les années 90, ils utilisaient ça, a priori, ils mettaient ça sur du céleri. Ils en mettaient un peu sur du céleri. Les enfants adoraient ça. C'était relativement populaire. Nous, on a sorti ici un muffin anglais pour pouvoir, puisque c'est du fromage à tartiner, le goûter sur quelque chose. Donc, on va le goûter là-dessus. C'est une moitié de... qu'est-ce que je viens de dire? Je sais, j'ai oublié. Hein? Un muffin anglais! Donc, c'est ça. Fromage à tartiner. C'est bon, quand même. Le matin, il y en a qui font ça, du coup, sur des toasts, à la place de mettre de la confiture. Ils font chauffer un toast, ils mettent ça dessus. C'est vrai que c'est bon. C'est chimique, mais c'est bon. Mais de temps en temps, ça fait du bien. Ouais, c'est vrai que c'est bon, hein. C'est vraiment, ouais, c'est bon, hein. C'est savoureux. Il y a vraiment du fromage. On sent le goût du fromage. Mais c'est ça, hein. C'est une production, industrielle. C'est pas, local, du tout. C'est en Amérique du Nord. Mais c'est quand même très bon. Et puis, on a aussi ça. Yes, bye. Du fromage Velveeta. Alors, la différence avec le cheese whiz, par exemple, ça c'est du fromage à faire fondre. C'est écrit dessus. Et c'est un fromage, c'est écrit dessus ici aussi. En anglais et en français, hein, toujours, on a le double affichage ici au Québec. On a l'obligation d'écrire toujours en français, même si c'est un produit anglais. Alors, ça donne le double affichage. Ici, c'est écrit fait de fromage cheddar, mozzarella et suisse. C'est tout mélangé. On va l'ouvrir. Donc ça, c'est ça. Fromage à faire fondre. En général, il est déjà fondu, mais en fait, tu le fais fondre encore une fois. Ça s'ouvre comme ça. Ça, tu peux l'utiliser pour faire des green cheese. C'est tout le monde, beaucoup, tout le monde fait du green cheese ici, je pense. Ou du macaroni au fromage. Des pâtes avec du fromage dedans. Comment je vais ouvrir ça, moi? Waouh! Ma blonde est cool, elle m'avait filé un couteau et je ne savais pas. Wouhou! Ok, d'accord. C'est vraiment mou, hein, par exemple. J'ai comme été un petit peu dur sur le couteau. Du fromage à fondre. Ok, à faire fondre. Oh, c'est très... C'est la galère à utiliser pour tout le monde. Je confirme. Je confirme. Ah, c'est vraiment... Voilà, mon doigt est plein de fromage. C'est vraiment incroyable comment c'est dur d'ouvrir ce truc-là. Bref. Mais ça se fait, hein. Ouais, il baille, lui. Dis-lui tout de suite si je t'ennuie, hein. Alors, ensuite, on va essayer de le couper. On a ça pour le couper. Attends. On le coupe? On va essayer. Ah, regarde, c'est comme un fil. C'est quoi ça? C'est Fil de fer. un fil de fer. Ben oui, c'est logique. Voilà, je me suis très mal pris. J'y arrive pas du tout. Bon, en tout cas, c'est ça. Ça ouvre, ça, c'est censé. Ah! J'ai réussi. Voilà, ça coupe des bouts. Du fromage fondu. On va essayer, voilà, c'est ça, du fromage fondu. Alors aussi, en ce qui concerne toujours le Velveeta, c'est extraordinaire. Ici, d'ailleurs, j'avais pas remarqué tout à l'heure, mais c'est du macaroni au fromage. J'en ai parlé. Et voilà, il y a une petite photo. Ma blonde, qui est extraordinaire, a fait un plat à base de Velveeta. Donc, il y a du Velveeta dedans. Ça, c'est du pain de mie, hein, du pain toasté, qu'on peut trouver vraiment quasiment partout, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle un green cheese. Et c'est ça. Tu fais griller ça dans une poêle. Ouh, ça fume. Tu fais griller ça. T'as envie de le manger. Tu fais griller ça dans une poêle avec du Velveeta au milieu. On peut le faire, je pense, aussi dans des grille-pains ou de. Non, pas le grille-pain, le micro-ondes, c'est possible? Non plus. Bon, alors j'ai dit que des conneries. On peut pas le faire dans le micro-ondes ou dans les grille-pains parce que je dis plein de bêtises, des fois ça arrive. Donc dans la poêle, on va goûter. Je vois trop trop chaud quand même. Hein. Ça va. Est-ce que c'est bon? C'est une petite collation qu'on peut faire C'est ici bon. relativement facilement ou quand tu rentres chez toi complètement saoul. Hein? Tu peux manger ça. Ça. À 3 heures du matin, c'est le top. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne les fromages.
Donc, si tu veux t'abonner, il n'y a pas de problème, comme d'habitude. Si tu veux appuyer sur le petit pouce bleu, si tu veux laisser des questions, des suggestions dans les commentaires. Et puis, on se dit à la revoyure. Ciao! Bye!